Salut, bienvenue dans cette vidéo. On va voir donc un projet immobilier. On est samedi, je suis en tenue un peu particulière. Je viens péter le plafond. Je sais ce que j'avais dit, que je ne ferai plus de travaux, mais tu vois, j'ai des week-ends. J'ai choisi de faire autrement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer l'appartement. Je vais tout expliquer et puis on va attaquer. Allez, viens. Allez, je t'explique rapidement. Comme ça, tu vas comprendre un peu de quoi il s'agit. Je vais régler. Ok, là c'est bon, on attaque. Donc, juste pour t'expliquer un petit peu, on va cadrer tout ça. Je vais te montrer quelque chose avant qu'on attaque. Ici, il y a une minuterie, je pense que tu la vois. Et ça, tu sauras dans pas longtemps à quoi ça correspond. Ne t'inquiète pas, on va en reparler. Élément important, on est dans une ville où l'immobilier est relativement cher. Je ne te donnerai pas ni la ville, ni les détails complets de l'achat, puisqu'on va partir à l'étage tout de suite. On a acquis le bâtiment. C'est un petit bâtiment de 3 logements, un logement par étage. Et nous, on va suivre uniquement ce logement. Les autres, on ne les suivra pas. D'abord, au rez-de-chaussée, il y a quelqu'un. Et à l'étage, quelqu'un aussi va rentrer relativement rapidement. Donc, c'est vraiment que ce logement qu'on va suivre. Parce que ce logement, malgré une multitude de visites, eh bien, on s'est rendu compte au fur et à mesure, alors qu'on était dans le processus d'achat, que finalement, de « je ne vais pas faire grand-chose », on se retrouve à « je vais tout refaire ». Pour diverses raisons, c'est un choix personnel, mais bon, voilà, ça ne nous convenait pas. En comparaison, tu verras que les logements du haut le logement du haut est de meilleure facture, bien que, élément important, c'est un logement meublé, donc tous les meubles, ils vont partir. On va les remeubler, y compris sur celui du haut. Donc ça aussi, c'est relativement important. Ne prête pas attention dans ce début de vidéo à ce que tu vas voir. Donc là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'emmener à l'étage pour que tu vois le logement du haut. Après, on revient là pour justement finir de débriefer tout ça. C'est parti, viens. Bon, ok, alors on est parti. Je vais récupérer les clés et je t'emmène vite fait à l'étage. Je vais virer l'escabeau avant d'attaquer la casse. Pour que tu vois de quoi il est question, je vais te montrer vite fait l'appartement du haut. Donc là, on est dans les communs. Communs qui sont, comme tu peux le voir, sympas. Un peu en bordel à certains endroits, mais bon, il va falloir qu'on range. Par exemple, ici, tu vois, cette armoire, juste avant l'entrée, c'est plutôt moyen. Alors, comment j'ouvre ? J'ai très honnêtement cru que je n'y arriverais pas. Ah oui, mais... J'ai l'impression que quelqu'un est rentré. Voilà. Donc ici, je vais te montrer les images de derrière. Donc c'est important de comprendre que on va changer le mobilier, on est bien d'accord. On va refaire le plan de travail ici, on va changer cette partie-là. On va rajouter des meubles hauts là, et après, tout le mobilier, on va le refaire. C'est-à-dire qu'on va tout enlever, et on va tout refaire. Et ici, bon... Il va falloir... reprendre certains détails comme tu peux le voir, comme par exemple bon ici la prise qui est à refaire et d'autres petits détails qui vont être repris, mais le carrelage on le garde tel quel, on ne refait pas tout. On va reprendre la porte ici qui a été marquée par les locataires, et comme ça tu vois à peu près, je vais mettre comme ça, tu y verras mieux, tu vois à peu près le style de logement qu'on a récupéré. Voilà, donc on a moins de travail sur celui-là. Parce qu'on a la possibilité, donc tu le vois peut-être, mais ici, on a une très haute hauteur sous plafond. D'ailleurs, pour que tu t'en rendes compte, je vais me mettre là. Regarde. Donc voilà, pour que tu t'en rendes compte, regarde. Et encore, tu t'en rends pas bien compte, je vais m'éloigner. Regarde. Sachant que je fais à peu près 1m80
tu vois. Donc si je monte là, je vais peut-être pas casser le lit, mais si je monte là, tu vois, je suis pas loin des 2 mètres. Il y a beaucoup plus de 2,50 m de hauteur sous plafond. Donc l'idée, c'est que tu comprennes que voilà, on a, et encore au-dessus, il y a vraiment, au-dessus, on peut tenir encore droit. Donc sur ce logement-là, il y a possibilité d'aller chercher de la hauteur et d'aller chercher là-haut, ben, quelque chose de plus intéressant pour le logement. Je ne vais pas trop te le montrer parce que j'ai du travail en dessous. J'ai mon minuteur qui tourne, donc allez, viens, on y va. Ah, voilà, donc tu as vu l'étage supérieur. Donc maintenant, juste, je t'explique là ce que tu vas voir. Aujourd'hui, moi, je suis venu simplement pour péter les plafonds, ce qui va aller, entre guillemets, relativement rapidement. Ensuite, il va y avoir d'autres parties où je vais intervenir, notamment sur le débarrassage des meubles et aussi sur une partie casse. C'est relativement exceptionnel, même si j'avais dit que je ne le ferais plus. Ben, tu vois, je le fais encore. D'ailleurs, excuse-moi ma tenue et mon accoutrement. Ceci explique cela. Autre élément relativement important par rapport à tout ça, à la suite de cette casse, ce n'est plus moi qui vais faire quoi que ce soit, ça sera pris en charge. Il y a des éléments importants, c'est que je ne vais pas suivre le chantier au jour le jour. On va suivre le chantier par étapes. Je pense qu'il y aura juste 3 vidéos. Je ne vais pas aller plus loin dans cette série, ce n'est pas la peine. Et je vais tout de suite te donner les chiffres. Les chiffres de cet appartement ne veulent tout dire et rien dire. Pourquoi ? Parce que je vais être très transparent avec toi. Sur le logement du haut, on a un projet d'agrandissement. Donc, même si au moment présent où cette vidéo est tournée, ce que je vais te dire est vrai, il est possible que dans un futur, ce soit faux. Pourquoi ? Parce que si tu agrandis un logement, eh bien forcément, tu réduis ton prix d'achat. C'est une mécanique très simple puisque, en réalité, tu calcules ton achat sur les prix au mètre carré existants et toi, tu vas créer de nouveaux mètres carrés, ce qui va réduire ton prix d'achat et augmenter ton prix de vente. Tu crées de l'écart, tu crées de la valeur. C'est aussi simple que ça. Et donc, si tu veux, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, ce que je te dis est valable au moment de cette vidéo. Il est certain que si un jour, par hasard, je revenais à parler de ce bâtiment, tu pourrais être surpris parce que tu pourras me dire « Ah oui, mais Nicolas, les chiffres par rapport à la vidéo, ça ne correspond pas. » Ben, c'est pas ça en fait. C'est que selon les travaux qui seront faits au-dessus, qui ne seront pas faits maintenant, eh bien, la valeur du bien va changer. Et du coup, comme la valeur change, les chiffres changent. Donc, on fait très simple. On est dans une ville au prix au mètre carré où on peut aller taper du 4 à 5 000 euros pour te donner juste un ordre d'idée du type de marché sur lequel on se situe. Donc on n'est pas sur une petite ville, on va dire, où les prix sont très abordables. Et on a acheté aux alentours de 2200 euros le mètre carré. Je vais quand même vérifier mes chiffres parce que je ne veux pas te dire de bêtises et que c'est quand même important pour moi de le faire même en direct, ça ne me gêne pas. Donc ici, j'ai acheté... Voilà, c'est ça, j'allais dire environ, alors un peu plus que ça, si je devais être précis, je pense que j'ai dû acheter 2300 euros, et c'est ça, 2300 euros du mètre carré. Alors quand je dis j'ai, c'est pas moi en plus, c'est la famille, hein, on va pas rentrer dans le détail. On est sur un prix d'achat à 73 000 euros. Attention, je suis pas en train de te dire que ce logement rénové va se revendre 3000 euros du mètre carré, ce n'est absolument pas ça, ça ne marche pas comme ça, ça n'est pas un logement qui est destiné à la revente de toute façon, donc peu importe. Le prix à la revente, et même je pourrais calculer sur des prix plus élevés, il faut que tu comprennes qu'on est sur un projet global et qu'il y a un point très important à ajouter. Je pose mon téléphone. Dans cette ville, il n'y a plus d'immeubles. Et ça aussi, c'est quelque chose dont on ne te parle jamais. On a beaucoup tendance à dire oui, acheter des immeubles et revendre à la découpe. Il faut savoir que si les marchands de biens sont capables d'acheter et de découper, il existe aussi un mécanisme beaucoup moins connu qui consiste à acheter par lot, regrouper et revendre, surtout dans des villes où il n'y a plus d'immeubles. Donc il faut bien faire attention, il y a tellement de possibilités dans l'immobilier qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une seule stratégie. Les prix que je viens de te donner, c'était juste pour passer de 2000 à 3000 euros, mais si tu peux calculer avec 4000, ben, j'ai gagné encore plus d'argent. Et comme je t'ai dit, si l'agrandissement du dessus se faisait, eh bien les chiffres seraient encore tout à revoir, ça baisserait mon coût d'achat et ça augmenterait mon coût de revente. Donc encore une fois, voilà, le but ici, c'est purement de te montrer une rénovation. Je t'ai donné rapidement les chiffres. Les chiffres ont été calculés sur l'achat global, répartis sur l'ensemble du bâtiment. Tu peux déjà en déduire la surface de ce logement, sachant que les logements globalement font la même taille. Je ne compte pas les communs qui sont très grands et c'est relativement rare là où je me situe. Je vais juste terminer en te donnant une dernière précision. Pourquoi je fais la casse? Parce qu'il y a quand même cette question qui reste en suspens. Et bien tout simplement parce que j'ai un budget en fait, et ce budget, je veux le respecter. Je n'ai pas envie d'acheter un bien et de déplafonner à tous les niveaux, surtout au niveau des travaux. Ça peut vite partir dans tous les sens.
Et pour une casse qui va prendre quelques heures, je n'ai absolument pas envie de me prendre la tête avec tout ça. Juste, je reviens, parce que tu vas me dire, Nicolas, tu m'as pas expliqué ce que c'était cette histoire. Deux minuteurs. Bon alors, je vais mettre un truc comme ça. Donc là, la sonnerie, c'est le rappel à l'ordre. Donc on y va, je vais t'emmener, tu vas comprendre. C'est parti. Il me reste 10 minutes, donc je suis en train de tapoter sur la machine pour rajouter le temps qui manque. Dans cette ville aussi, ça me fait assez doucement rigoler. Quand tu prends au parcmètre tes tickets, en fait, ça te revient moins cher de prendre 2 fois 2 heures que de prendre 4 heures. Donc je me suis simplement dit, écoute, tu vas prendre 2 fois 2 heures, ça te fait ta pause, et puis c'est parti. Voilà, donc je te laisse à nouveau avec les images du bien, parce que je trouve que c'est quand même relativement intéressant pour toi de voir finalement un petit peu l'état général. Cette vidéo n'est que la première d'une série, donc je te ferai 2 autres vidéos, je pense, jusqu'à la fin du bien pour que tu vois le résultat général. Et l'idée, c'est que tu aies quand même une notion de ce qu'on a pu faire. Donc il va y avoir de façon mélangée des photos et aussi des vidéo parce que je trouve que c'est intéressant. J'ai pas l'occasion et j'ai pas trop l'habitude de faire des photos de mes projets. C'est juste que, en fait, si tu veux, au tout début, les premiers projets, je le faisais, et puis après, bon an, mal an, ça m'a passé complètement. Et puis depuis que je fais YouTube, je m'y suis remis. Donc voilà, on est dans la première vraiment des vidéos. Là, on part du point zéro. J'ai l'occasion de le faire. Et donc, tu vas voir l'évolution de ce logement. C'est vraiment important. Allez, on attaque la casse. J'allais pas te laisser sans te montrer le résultat final. Voilà, alors je vais être très franc avec toi. J'ai galéré. Ça fait longtemps que j'ai plus fait ça. Si tu te demandes pourquoi j'ai laissé les meubles, parce que 80% va à la poubelle, 90%, et le pourcentage restant va aller ailleurs, c'est pas la question. Je vais être très franc avec toi. Cette partie-là, ça a été, donc ça c'est l'entrée. Je
nettoyer le sol, tu vois. C'est par là où on est arrivé au début. Ça a été la partie la plus dure à casser. Et ici, tu as la chambre. Donc, à voir avec comparaison des photos de tout à l'heure. Je te montrerai rapidement ici les vidéos pour que tu vois comment c'était et comment c'est. Pour la petite histoire, j'avais fait une vidéo où je disais que je partais en laissant le mur comme ça. Enfin, le plafond, pardon, comme ça. Et là, j'ai pas les outils pour faire cette partie-là. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, trouve une solution. Et grâce à la masse, c'est pour ça qu'il faut toujours, toujours avoir une masse. Grâce à la masse, eh bien, j'ai réussi à péter ce plafond-là. Donc là, on est prêt pour la suite. Donc, dans le prochain épisode, tu vas voir comment ça va être tout débarrassé et le début du chantier. Donc là, rappelle-toi bien de tel que c'était aujourd'hui. Voilà. Et tu vas voir que, eh bien, tout simplement, on va continuer d'avancer sur ce chantier. Allez, petite rénovation, investissement immobilier du début jusqu'à la fin. Sachant que, comme je t'ai dit, ici, ce nouveau plafond, dont je ne savais pas comment il allait être, me déclenche des questions. Et on va voir ça ensemble. On se retrouve dans le prochain épisode.